الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رمس الله سبحانه وتعالى celui qui lui donne nous permission pour qu'il nous dépense un peu de le temps pour nous apprendre un peu concernant ce dîn afin qu'il nous vienne ben plus meilleur musulman. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam étant un annonciateur de bonnes nouvelles et aussi un avertisseur de bons dangers, il vient avertir sa ummat là concernant beaucoup de dangers, beaucoup de petites choses qui sont capables de devenir du monde depuis Janna. Et chaque danger, il y en a sur gravité. Mais un parmi les dangers qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient avertir nous contre ça, c'est un danger, un fitna qui ni dans le passé, ni dans le futur, pas pour un plus grand que ça. Sa fitna là, c'est un fitna qui tout bon prophète, je fin avertis, je t'umma concernant ça. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui fin avertis, sa ummat là, il fin avertis nous en quantité contre sa fitna là. Et lui fin même au de nous pour cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre sa fitna là. Et c'est pour ça même qu'il est sunna dans chaque salat, nous baissez protection contre sa fitna là. Ça même c'est fitna de Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pas fin il n'a aucun fitna dans le passé et pas pour il n'a aucun fitna jusqu'à qu'il n'a qiyama plus grand qui fitna Dajjal et pas fin il n'a aucun prophète excepté qu'il fin averti sur ummet contre lui, c'est-à-dire contre Dajjal. Et en vérité, sa sujet là, concernant Dajjal, c'est un sujet qui est bien vaste. Il y a beaucoup de détails. Alors, dans la petite minute là, nous ne pouvons pas causer tout ce qu'il y a concernant Dajjal, mais Inch'Allah, en bref, nous pouvons essayer de gagner une connaissance de quelque chose d'important concernant Dajjal. Et aussi, nous pouvons essayer d'enlever des doutes et des fausses conceptions concernant Dajjal. Premièrement, est-ce qu'il est obligatoire pour qu'un musulman d'amène l'iman de Dajjal? L'iman de Dajjal, nous vous trouvez qu'il y a une relation directe avec l'iman de Yawmul Qiyama, surtout dans l'événement qui pour arriver avant Qiyama, plus spécifiquement dans le grand signe du Qiyama. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pas pour une Qiyama jusqu'à qu'il y ait 10 grands signes. Et il fait mentionne 10 petites choses Adam et parmi ce qu'il fait mentionne Dajjal. Alors parmi ben signe du Qiyama, ben grand signe Qiyama, c'est qui Dajjal il pourra apparaître. Et en même temps qui c'est un parmi ben grand signe du Qiyama, il y a aussi une information qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il fait donne nous et iman de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il pas juste font partie dans iman parmi l'iman de mon prophète, c'est-à-dire quand nous amène l'iman de mon prophète, nous amène l'iman de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, il faut partie aussi de la deuxième partie de nos kalimas, c'est-à-dire premier pilier de l'islam, du shahada, quand nous finissons ashhadu an la ilaha illallah, deuxième partie nous dit wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nous témoignons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est l'esclave et le messager d'Allah. Et parmi ces implications, c'est qu'il nous croit avec conviction de toute bonne information qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin de nous et ces bonnes informations qui viennent à travers un hadith qui est authentique. Alors nous comprenons pas ça qui est obligatoire pour qui un musulman amène l'iman de Dajjal. Sinon, pour un problème de ce iman, sinon ce iman n'est pas pour complet. Mais malheureusement, fin et là, c'est un manse qui je attribue je à l'islam, je fin démenti sa vérité là. Je fin démenti sa vérité là pour dire que je ne pas accepter ben hadith ahad dans aqida. Ben hadith ahad, je ne pas accepter dans aqida. Alors, qui veut dire ben hadith ahad? Façon qui un hadith il est transmis vers nous de deux façons. Soit qu'il y ait un hadith mutawatir, c'est-à-dire le chaque niveau de narration fin ena plusieurs ban narrateurs qui fin rapportent à plusieurs ban narrateurs et fin continuer comme ça jusqu'à qui fin arrive jusqu'à celui qui fin compile ce hadith là. Ça c'est hadith mutawatir, c'est-à-dire beaucoup fin rapportent depuis beaucoup fin rapportent depuis beaucoup fin à les mêmes. Alors comment dire, il est impossible qui comment dire ena mensonge Adam. Et deuxième qualité c'est hadith ahad. C'est un hadith qui est rapporté par un petit nombre de narrateurs dans n'importe quel niveau de sa scène de narration-là. N ou bien D ou bien 3, qui rapporte des N ou bien D ou bien 3, finalement, même comme ça. Alors, Saman-là, je résète Saman-Hadith-Ahad-là,
d'Aqida qui fait, parce qu'il soit disant, il y a un doute, il n'est pas une authentique, parce qu'il trop de tigit d'imoun fin rapport depuis, trop de tigit d'imoun. Alors, les là, je résède ce qu'il appelle Azab Khabar et aussi Fitna de Dajjal. Alors, nous avons déjà expliqué parmi ban sec, c'est Hizb ut-Tahrir. Alors, je résède Hadith Ahad d'Aqida. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, beaucoup de sectes ont démenti au complet la sortie de Dajjal parmi les Khawarij, les Jahmiya et les Mu'tazila. Et je fais résider les hadiths qui ont rapporté concernant ça. Et il dit, je fais sortie depuis la sphère des savants. Quand je fais résider les hadiths mutawatir qui sont authentiques, sans aucun doute, depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est d'une façon, une prédiction qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt, Omar radiallahu anhu, il fait nous connaître, et puis il a dit que ça c'est une vérité. Et parmi les Sahabi ibn Abbas radiallahu anhu, il dit au fin de temps, Omar ibn al-Khattab, il dit sa parole là au mimbar. Pour il y a un djimoun parmi eux depuis sa umma là, qui peut démentir lapidation. C'est-à-dire pour démentir, je ne suis pas d'accord avec lapidation pour celui qui lui commet zina, et je peux démentir Dajjal. Il dit, si je suis un là, je suis tout un man là, comme Ahad et Thamoud, j'ai tué. Alors, il y a un doute, ça, c'est sa parole là, qui Omar radiallahu anhu peut dire, il va me dire ça pour lui-même, lui. Il fait une bizarre dans ça depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une chose qu'il n'est pas connu. Donc, pour arriver à l'époque, du monde pour démentir, pas pour accepter la violation, et je pour démentir Dajjal. Alors, il dit, si je besoin, ça m'a là, je peux tout jeter pareil, comme Ahad et Thamoud, j'ai tué. Et comme ça même, nous gagnons aussi. Ben les autres, comme Saïd Koutoub lui aussi, il n'est pas d'accord avec Hadith Ahad d'Aqida. Il dit ben Hadith Ahad pas acceptable d'Aqida. Alors, il résette Hadith Ahad d'Aqida. Il y a la même qui nous trouve, je résette plusieurs ben petites choses concernant Aqida. Et ça, c'est juste, comment dire, un jouet ça. C'est juste un jouet quand je ne suis pas capable de comprendre certaines ben petites choses, ou bien je ne suis pas d'accord avec certaines ben petites choses. Alors, je dis, un tel petite chose, mais ça, Hadith Ahad, ça nous résette lui. Ou bien, juste pour m'a dire, je te résiste ça, mais en vérité, quand nous pouvons Azab Khabar, nous pouvons Fitna Dajjal, c'est pas un hadith Ahad ça. Ban ulama fin écrire ban livre, que tu viens compiler ban hadith concernant Azab Khabar, concernant Dajjal, fin n'arrive pas commis hadith. Alors, comment est-ce qu'il nous capable de dire que ça c'est un hadith qui un quelque chose qui est basé sur un hadith Ahad, mais c'est un hadith qui est mutawatir. Et comme ça, même parmi ban qui je n'ai pas accepté Hadith Ahad, nous avons aussi Tariq Ramadan, il a aussi dit, il résiste Hadith Ahad, et là, il dit, il n'est pas d'accord avec quand l'islam vient mettre la loi, bizarre tout, c'est lui qui lui fait apostasier, il finit quitter l'islam, il finit aller. Alors, il dit, notons que le degré d'authenticité de cette tradition est relatif puisque c'est un Hadith Ahad. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec ça, dit. Alors, là, il dit, plus facile, comment vous résiste tout, c'est lui qui vient apostasier. Ils êtes sahadis là, ils êtes sahadis là, alors ils disent, mais dans l'islam, il n'y a aucune la loi concernant celui qui finit apostasier, qui finit quitter l'islam, finalement, alors là, ils disent, mais ça qui se faisait, il n'existe pas dans l'islam. Et quand ils ont présenté certains hadiths ahad, ça, ben hadith ahad là, dans qui il est trouvé, il trouve dans Sahih Bukhari. Il trouve dans Sahih Bukhari. Dans n'importe quelle façon il était, du moment que il trouve dans Sahih Bukhari, Ummet en entier fin d'accord, un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, c'est, comment dire, parole plus authentique après le Coran. Je devine résider ban hadith, qui n'a sa quantité, authenticité là. Et quand nous voulons être ban ulama, parmi nous, il y a Muhammad As-Sifarini qui fait le mot l'année 1188, il dit, hadith ahad est acceptable dans ban base de din, c'est-à-dire d'aqida, et Imam Ibn Abdelbar, il fait un rapport ijma'. C'est-à-dire, consensus de ban ulama lola qui nous servit hadith ahad dans l'aqida. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lui aussi, lui dit, récit ban hadith ahad, il y a une preuve d'aqida et de ban les autres petites choses chez ban ahl sunnah quand ce chaîne de narration lit l'authentique. Alors, ça, c'est un erreur bien grave. C'est lui qui n'est pas fait d'accord avec ban hadith ahad, surtout quand je suis authentique pour accepter, get la double cause concernant l'aqida. Alors, il y a un problème dans l'aqida. Alors, pour nous comprendre un petit peu Dajjal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous plusieurs descriptions concernant Dajjal. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand ben, je ne peux pas apprendre ce din, ou bien je peux apprendre ce din depuis ma source qui, comment dire, pas supposé mais prendre YouTube, ou bien Internet, ou bien Facebook, et là même, nous trouvons que ben,
je fais cause concernant l'islam. Et il y a un qui est bien reconnu les causes concernant Dajjal, ce qui appelle Imran Hussein. Alors, lui, il reste dans Trinidad et Tobago. Alors, les causes beaucoup concernant Sin, Qiyama, Dajjal, etc. Mais la plupart des causes qui les causent, c'est des choses qui sont à l'encontre de l'islam. Et qui s'en a ça, il attribue un petit peu avec Breloui Jamad. Alors, Breloui Jamad, comme dans l'Inde, il finit apprendre depuis ben l'université. Et alors, ben a dit qu'il vous faisait prendre ben l'Aqida. Alors, il fait éloge sur ce professeur quand il fait une cause concernant Wahdatul Wujud. Tout qui chose, c'est Allah, Allah de tout qui chose. Il fait éloge de ce professeur quand il fait une cause concernant ça. Et combien man a un hadith, il fait falsifier pour qu'il m'a dit, il peut montrer sur l'opinion, ou bien il peut montrer sur l'idée, et il même dit, il y a un hadith fabriqué dans Sahih Bukhari. Et comme ça, il y a plusieurs, il y a bien grave qui les fin faire. Alors, pour nous, depuis sa fitna là, nous vous trouvez, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à travers plusieurs hadiths authentiques, les fin donne nous une description bien claire du Dajjal. Alors, première description, c'est qui Dajjal, c'est un humain, c'est un djimoun, c'est un parmi les enfants de Adam alayhi salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il trouve Dajjal dans son rêve, et peine à doute qu'il rêve de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vérité, et il fait décrire lui comme suite, il fait dire, il trouve un gros djimoun, un gros homme qui claire. Un gros homme qui claire, alors Dajjal c'est un djimoun. Et Qadi Iyad, rahimahullah, dit dire, dans sa ban hadith là, il y a preuve pour Ahlus Sunnah concernant vérité l'existence de Dajjal et qu'il y a un djimoun particulier qui Allah pour faire test avec ce man esclave. Il s'agit d'un djimoun. Un djimoun, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pour faire test à l'homme en djimoun à travers Dajjal. Et Cheikh Outhaymin, rahimahullah, dit dire, Dajjal est parmi les enfants de Adam. C'est-à-dire, les points humains. Les points humains, mais Allah subhanahu wa ta'ala pour donner certaines choses qui sont spéciales. Et en vérité, il n'est pas sa quantité importante là pour venir dire que Dajjal est un djimoun, il y a un humain. Mais quand on trouve qu'il est égaré, je viens de dire les contraires. Si tant il y a quelque chose qui est clair, juste je fais cause les contraires de ce qu'il y a dans le hadith clair, alors Allah nous dit jamais, Dajjal c'est un humain, Dajjal c'est un djimoun. Et nous avons croire que Dajjal n'est pas un djimoun, mais il est simplement un système gouvernemental qui est injuste, ou bien un symbole, le mal qui peut manifester dans la forme technologie moderne, téléphone, ou bien portable, ou bien télévision, ou bien radio. Je dis ça c'est Dajjal ça. Alors, peine à doute qui ça, c'est peine à, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire un humain, du monde. Je veux dire si pas système gouvernement ou bien peut dire technologie. Alors, ça c'est une erreur qui est bien grave. Et quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire nous, Dajjal, le mot de Dajjal, lui-même, lui signifie un grand menteur. Un grand menteur, il y a un djimoun qui causait. Alors, comment est-ce qu'il est capable, les autres qui choses apportent un djimoun? Et Cheikh Mohamed Bazmo Lidia interprète Dajjal en disant qu'il c'est un juif de l'Europe ou bien un gouvernement de l'Europe. Ça, c'est une interprétation qui contredit ce qui est un texte de la Sharia, dire qu'il y a une créature sous forme, ses formes de enfants Adam. Alors, peine à doute que ça, c'est un erreur. Mais dans l'année 2009, alors, nous gagnons, dans Maurice Baissel, il s'y projetait un clip. Et il fait commenter dans ce clip-là, il finit faire comprendre que Dajjal finit apparaître l'année 917. L'année 917, il finit apparaître. Depuis l'année 917 jusqu'à l'année 1917, Dajjal existe dans la forme de règne de man anglais. C'est-à-dire man anglais qui, comme je disais, gouverne le monde. Depuis 1917 jusqu'à 2001, Dajjal existe dans la forme règne de man américain. Et il dit depuis le 11 septembre 2001, quand il y a un attentat, Dajjal existe dans la forme de règne de man israélien. Et là, il dit dans l'année 2020, c'est-à-dire 2009, il dit comme ça, il dit dans l'année 2020, Dajjal pour manifester sur l'existence dans la forme d'un djimoun qui pour durer 37 jours. Alors, personne parmi nous va finir.
pas fin trouver ça qui Dajjal fin manifester l'année 2020. Sinon tu peux finir arriver Kiyama. Alors peine à doute qui ça c'est bonne chose qui fausse. Et comme ça même Dajjal et dans ce dieu qui ce papa et ce maman c'est un djinn. Ce papa et ce maman c'est un djinn. Ce papa c'est un humain et ce maman c'est un djinn. Alors ça aussi c'est une chose qui fausse. Et il y a les autres conceptions qui soient disant ce symbole c'est triangle. Ce symbole c'est triangle. Alors tout ce qui est en relation avec triangle, je dis c'est Dajjal. Alors parmi les bonnes choses qui je dis Dajjal c'est triangle des Bermudes. C'est-à-dire il y a une place entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Comme dire, il y a un avion qui est allé là-bas, bien souvent je t'ai écrasé. Alors il fait un triangle en trois îles. Alors ça je dis, ça c'est Dajjal se place ça, ou bien Dajjal même qui est là-bas. Alors tout ça là, je dis c'est Dajjal, et alors tout ce qui est en relation avec triangle, je dis Dajjal. Un compagnon, il a ce logo, triangle, je dis, il est en relation avec Dajjal ça. Tout ce qui est en relation avec triangle, je dis Dajjal. Vous êtes demandé si pas je dis ça Moussa, si il est en relation avec Dajjal, parce qu'il est triangle. Et deuxième description qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donnait concernant Dajjal, c'est qui Dajjal? C'est un juif. Dajjal, c'est un juif. Et Abu Sa'id radiallahu anhu dit, Ibn Sa'id, c'est-à-dire dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça, il tient jeune, parmi les Sahaba, et les Sahaba, tu doutais, attention, lui-même, c'est Dajjal. Qui fait? Parce qu'il se peut faire beaucoup de choses abnormales. Mais en vérité, c'est pas lui, Dajjal. Alors, Ibn Sa'id, il fin dit à sa Sahabila, Abu Sa'id, et qui pense à Mofin, il dit à Mofin, qu'il monte avec lui. Alors, Ibn Sa'id, il dit à Mofin, excuse, ben, Dimoun, qui sont derrière avec moi, au ben compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète d'Allah pas fin dire qu'il est déjà les points juifs et qu'il moi m'offre accepter l'islam? Alors ça veut montrer qui Ibn Sa'id c'est pas Dajjal parce qu'il est musulman et Dajjal les points juifs. Et comme ça même, comment nous fin dire Dajjal les points hommes et les points hommes qui clairs, c'est-à-dire les points du monde qui les clairs, les pas bruns. Et comme ça même, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'il est déjà les points courts et points à défaut de celui pied. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dire, m'offre raconte concernant Dajjal jusqu'à qu'il m'offre pire, attention qu'ils ne pas comprendre. Dajjal, il y a un homme qui court, se déplace les pieds, costé par devant et écarté par derrière. C'est-à-dire, il a défaut de se lipier. Et il prend jeune, c'est-à-dire, il prend un homme qui est jeune, il n'est pas pour vieux. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit il prend jeune et ce CV, il est pour boucler, il n'est pas pour trouver avec ce ligier. Et mon compagnon avec Abdul Uzza ibn Qatan, c'est-à-dire, il y a un homme qui est un petit peu litigeux et il a sa bonne caractéristique là dans lui. Et ce CV, il est pour bien boucler. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit CV sur la tête par derrière, il est pour casse-casser si tant il est bouclé. CV sur la tête pas derrière, les pour casse-casser, c'est dans les bouclés, c'est-à-dire trois coups de l'effine, dire ça, CV de Dajjal, les bouts comme ça. Et les points de monde qui prennent beaucoup CV, le lit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dajjal, il y en a défaut dans ce lit, gosse, et il y en a beaucoup cheveux, et les points de monde qui les bougent sur la tête beaucoup. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comment dire, sur la tête, c'est pas les démons qui plient ressemblés à Abdul Uzza ibn Qatan. Alors, ban arabe, je décris à la tête qui bougeait beaucoup comme la tête serpent. Et comme ça même, Dajjal, il prenait un front qui lance. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dire, quant à Messie de l'égorement, c'est-à-dire Dajjal, il a défaut d'un côté léger, ce front il lance, là-haut de sur la poitrine aussi lance, et il est courbé un petit peu. Et un parmi ma description encore, c'est qui Dajjal, il est stérile, c'est qui il n'est pas pour capable de gagner, il n'est pas pour capable de gagner les enfants. Alors Ibn Sa'id, il dit à Abu Sa'id, est-ce que le prophète d'Allah par fin dire qu'il Dajjal n'est pas pour les enfants et qui moi pour les enfants? Alors ça c'est une autre preuve qui me montre nous qu'Ibn Sa'id, c'est pas lui Dajjal. Et Dajjal, en se déliger, pour écrire kafir. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, en se déliger, fin écrire kafir, chaque mu'min pour capable d'y aller, l'y connaît, ou bien l'y pas connaît. Et dans notre hadith, il mentionné qui peut écrire kaf, fa avec ra. Kaf, fa avec ra. Et comment nous finissons Dajjal pour un défaut de se déliger? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il ne m'a pas raconté une petite chose concernant Dajjal qui aucun prophète avant moi n'a pas fini de raconter ça à ce peuple? Et il dit, c'est-à-dire, il a défaut de se déliger. Alors, Dajjal, c'est une créature qui a défaut de se tous les déliger. Il a défaut de se tous les déliger. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit,
Allah subhanahu wa ta'ala li pa inconnu à zot. Allah subhanahu wa ta'ala li pa awar, li pena défaut de soliger, mais déjà li awar, li na défaut de soliger côté droit, kuma dia soliger, comme si soliger kuma un raisin qui peut soliger un raisin qui peut flotter. Et dans l'autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, déjà il na défaut de soliger gauche, l'eau soliger droite et n'a le bout de l'arcée, Dieu qui peut apprendre. Ça y est, tous les déligés, c'est déligé qui n'a défaut. Alors nous comprenons pour ça qui est soligé d'un côté gauche, les bouchers, et soligé d'un côté droite, et d'un bout de l'arcière qui vient pendant, puis pendant le roulant. Alors encore une fois, il y a une conception qui dit, je t'attribue one eye à Dajjal. C'est-à-dire, il y en a une seule ligée. Je pensais qu'il y a Dajjal une seule ligée. Non, Dajjal, il y en a deux ligées. Alors ça, c'est une fausse conception. Alors, comme ça même, toute chose que je trouve, comme on dit, là, je dis, ça c'est Dajjal, alors peine à doute que ça c'est un erreur. Et Dajjal, sur un côté ligé, il est beaucoup les verts, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Dajjal se ligé, couler vert, comme un flacon. Alors, ça c'est un petit peu description de Dajjal, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de nous. Alors, c'est une conception qui, je dis que Dajjal, bien par cite ce nom, bien pas dire Dajjal, qui fait sinon sur la scène pour casser. Alors, rapporté dans un hadith qui rapporté par Tamim al-Dari, une fois que je peux voyager dans la mer, alors je bâtis au fin arrêt dans l'île, quand je finis, je trouve une créature, ensuite elle est là, après quand il finit raconte ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui-même Dajjal, alors il tient enchaîné. C'est-à-dire, en ce moment, Dajjal, les vivants, l'eau et l'île qui ne pas trouver lui, ne pas trouver sa l'île là. Alors, et la conception, et sa conception là, montre-lui dans certaines madrasa de Maurice. Bizarre, pas prononce le mot Dajjal, bizarre pas dire ce nom. Alors, mais quand nous voyons le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il mentionne le mot Dajjal. Il fait enseigner dans le salat, Allahumma inni a'udhu bika min fitnati ad-dajjal. C'est protection contre fitna ad-dajjal. Mais qui m'a nous servi pour qu'on m'a dit nous remplace ad-dajjal? Alors, et là je dis, vous n'avez pas appelé ad-dajjal. Je connais comment vous avez appelé? Vous appelé DJ. Alors je dis, vous appelé DJ. Ça montrait dans madrasa là. Dans madrasa de Maurice, dis pas appelé ad-dajjal, appelé DJ. Sinon, ce man la scène pour casser. Et ça, c'est une chose qui peine à pépé couillon du monde, quand peut cause, avant qu'elle ça va qu'elle causé là. Et comme ça même, nous ne connaissons pas exactement quand Dajjal peut apparaître. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait informe nous concernant certaines bandes signes qui pour précéder sur l'apparition. C'est-à-dire, pareil, comme un kriyama, et dans bandes signes qui pour venir, les là qui pour arriver kriyama. Il ne faut pas qu'on m'a dit, elle sait que lui est levé et tout, kriyama est arrivé. Non. Pareil, comme ça même, Dajjal aussi, pour une bandes signes qui pour arriver, les là, Dajjal peut apparaître. Alors, il y a du monde de dire, un coup, tout le monde, au cas où un message Dajjal il apparaît. Ça, c'est une chose qui fausse, parce qu'il fait, il y a un signe qui peut arriver, les là, nous vous connaissons, Dajjal peut apparaître. Alors, parmi les bandes signes, c'est la conquête de Rome et la conquête de Constantinople. C'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la conquête de Constantinople, c'est l'apparition de Dajjal. Et actuellement, ben, ulama, je dis, Constantinople, c'est Istanbul dans Turquie. Et comme ça même, un autre parmi Bansi qui pourrait c'est qui pourrait là, c'est stress pendant 3 ans. Et ben, Dimoun pour arrêter cause concernant Dajjal. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dajjal pas pour apparaître, jusqu'à qui ben, Dimoun pour arrêter faire manchon de lit. C'est-à-dire, je publie lit. Et jusqu'à qui ben, imam pour arrêter cause concernant l'île au Bimbar. C'est-à-dire, quand un parmi Bansi, Dimoun pour arrêter cause concernant Dajjal. Et ça c'est ben, Bansi, il est là, Dajjal, il peut apparaître. Écoute ça, Dajjal, il peut apparaître depuis l'Est, depuis Khurasan. C'est-à-dire, un parmi ben, l'endroit, dans Iran, ensuite, il peut voyager entier le monde. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dajjal peut sortir depuis un endroit dans l'Est qui appelle Khurasan. Alors, c'est qui? Il trouve dans Iran. Et Dajjal, il peut capable de rentrer dans tout mal place, tout mal endroit, excepté que Masjid
مسجد الحرام دا مكة إيه مسجد النبوي دا مدينة مسجد الأقصى إيه مسجد التور كما رسول صلى الله عليه وسلم يجي دجال سلطوريتي فو أغيب زيسكا توبان بلاس كوت إينا ديلو مي لي بابو كباب أغيب زيسكا كات مسجد كعبة مسجد جو مساجد الله مسجد الأقصى إيه مسجد التور ألو مسجد التور معنى علماء زو فين دي بيزي exactement كوت لي تروفي إينا زو تنجي الليزيب إينا زو تنجي الأرسيري إينا زو تنجي فلسطين. Et déjà, quand il faut apparaître depuis l'Est, il faut y avoir 70 000 juifs avec lui. 70 000 juifs avec lui. Ensuite, il y a beaucoup parmi les habitants de Turkistan, c'est-à-dire place que les sortis, dans l'Iran, ainsi que là au Iran, nous avons Turkistan. Alors, il y a beaucoup d'habitants de Turkistan pour suivre lui, il y a beaucoup de mounafiques pour suivre lui, et il y a beaucoup de madame qui poursuivent Dajjal. Et qui constate les temps Dajjal, les bourrés sur la terre, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme on a posé une question concernant ça, il dit qu'il pourrait pendant 40 jours. Mais seulement, un jour, il pourrait être l'année, un jour, il pourrait être un mois, un jour, il pourrait être une semaine, et les réseaux, il pourrait être un jour, il pourrait être un jour normal. C'est-à-dire, ce 40 jours-là, il pourrait paraître bien, il pourrait paraître bien long. C'est-à-dire, le premier jour-là même, il pourrait paraître une année, deuxième jour, il pourrait être un mois, troisième jour, il pourrait être une semaine, et ensuite, là, les réseaux, il pourrait être un jour normal. Alors, ça c'est quand c'est le temps qui Dajjal il vous restez l'eau, il vous restez l'eau la terre. Et Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne on va dire une question spéciale parmi ses vitesses. Il est capable de voyager vite l'eau la terre. Comment Nawas ibn Sam'an dit, il m'a demandé, ô messager d'Allah, qui pour se vitesse l'eau la terre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, comment la pluie qui peut pousser par divan. C'est-à-dire, il faut aller bien vite, la pluie, il y a des gens, quelque chose qui lésait, divan peut pousser, alors sa vitesse qui ça peut pousser là, ça c'est vitesse de Dajjal. Et fitna de Dajjal, comment nous finir dire, c'est sa même plus grand fitna qui pourrait aller sur la surface de la terre. Parce qu'il pouvait déclarer lui-même le créateur, lui-même, il dit, moi-même, Rab, moi-même, je te Rab. Alors, pour un dimon qui, je peux tomber dans ce pied, je peux accepter lui comme Rab. Il pouvait faire la pluie tomber, il pouvait faire l'herbe pousser, seulement, ben, pied va vous pousser, pour un la rivière de l'eau avec lui, pour un montant et divin avec lui, trésor, la terre pour suivre lui, pour un jannet et qu'un l'enfer avec lui, il peut tuer un dimon et il peut faire lui revivre, et les pouvoyages sur la terre bien vite. Alors ça c'est bon. Mais quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala les vous permet Dajjal faire afin qu'il teste Manjimoun. C'est lui qui les fin amène iman comme un bizarre de Dajjal. Inch'Allah, les vous saper, c'est lui qui comment dire et va finir un bon iman de Dajjal. Alors Dajjal pour aussi couillonner à travers sa man miracle là. Et man qui pour combattre Dajjal, c'est man qui pour la vérité de sa époque là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un groupe de ma'umma pour continuer combattre la vérité, et je pourrais gagner les déçus, le man qui oppose jusqu'à qui man dernier parmi man là, je pour combattre Dajjal. Alors ça, man là, man qui pour la vérité jusqu'à dernier époque, c'est sa man là qui je pour combattre Dajjal. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Hurayra radiallahu anhu dit, pour continuer content Banu Tamim, c'est-à-dire le tribu Tamim, après qu'il m'offre, écoute trois petites choses qui le messager d'Allah fin dire concernant Banla, et un parmi les petites choses, il dit, Banla, je peux plus dur parmi mon ummat contre Dajjal. Alors, parmi les qui pour la guerre contre Dajjal, c'est le tribu de Tamim. Alors, du Japon, un parmi les dimoun qui est bien connu dans Banu Tamim. Xana, je t'y suis les sons. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lit depuis Banu Tamim. Alors Inch'Allah, ce man descendant, c'est Ban qui je vous laguer avec Dajjal. Alors Inch'Allah, ça peut montrer, un parmi man signe qui peut montrer qui Ban descendant de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est ce man-là qui a la vérité. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un groupe de ummah pour continuer à combattre la vérité, jusqu'à qu'il dernier parmi man-là, je peux combattre Dajjal. Et Rasoul sallallahu Abu Hurayra radiallahu anhu dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, parmi man qui peut plus Dieu contre Dajjal, c'est Banu Tamim. C'est-à-dire, dans l'époque, sans vous la guerre avec Dajjal, c'est Banu Tamim. Et comme ça même, et Dajjal, il peut terminer. C'est-à-dire, il peut mourir quand Isa, alayhi salam, peut tout lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pendant qu'il m'en a, man dit, moi, pour préparer pour la guerre, pour combat, et je voudrais m'en ranger, et pour donner iqama pour salat al-fajr, Isa ibn Maryam pour descendre et les pour diriger Banla dans le combat. C'est-à-dire pour la guerre, Isa alayhi salam, pour la guerre avec Banla. Quand Dajjal, l'ennemi d'Allah, pour trouver Isa, les pour faire pareil, comme a dit le fond de l'eau, si Isa quitte lui,
li ci bouffon jusqu'à qui li pou mort mais Allah subhanahu wa ta'ala li pou faire li mort par l'armée de Isa et li pou montrer manna se disant on se lance allo Isa alayhi salam c'est lui qui poutouille li poutouille Dajjal écoute ça li poutouille Dajjal Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li dit li pou route Dajjal jusqu'à qui li pou joindre li côte Babul Lud en l'endroit près côte Baitul Maqdis dans la Palestine et li poutouille li là-bas. Et comme ça même, il y a plusieurs man conseils que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient de nous, comment nous vous protéger contre Dajjal. Alors en vitesse, elle parmi une façon pour protéger contre Dajjal, c'est apprendre concernant Dajjal. C'est un dimon, il pas apprendre, qui m'a une description Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient de donner concernant Dajjal, il y a un humain, il y a un dimon qui il y a un défaut de solidité. Quand Dajjal peut paraître, il ne peut pas vous connaître ça, c'est Dajjal. Ou bien quand Manda vous dit telle chose, Dajjal, il vous croit que ça m'a les autres choses là, c'est Dajjal. Et deuxième façon, c'est cette protection avec Allah contre lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait une donne sans l'autre là. Il fait dire, na'oudou bi'kranou, il fait dire, c'est cette protection avec Allah contre fitna de Dajjal. Ta'awadou billah min fitna de Dajjal. Grande protection avec Allah contre fitna de Dajjal. C'est-à-dire, un djimoun, et pas comme Dajjal, obligé d'asseoir la même police de protection contre Dajjal. Alors, il y a un moment, il peut demander droit, il demande droit où elle la protège moi contre fitna Dajjal. Et comme ça, il plie sur le narco pour qu'il nous cesse protection avec Allah contre Dajjal dans son là. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand un djimoun pour un musulman, il est fini, il y a tachakoud, qui lui cesse protection avec Allah contre quatre qui sauve, il dit, Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam. Oh Allah, mon PC cesse protection avec toi contre punition l'enfer, ou min adab il qab, contre punition qabar, ou min fitna til mahya wal mamad, contre fitna la vie et la mort, ou min sharri fitna til masih et dajjal, et contre mauvais fitna de Dajjal. Et ensuite, elle ne parmi de façon, c'est mémorise 10 premières ayats de Surah Kahf. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui mémorise 10 ayats depuis le commencement de Surah Kahf, il peut être protégé contre Dajjal. Et elle ne parmi de façon, c'est sauver. Quand un djimoun lui fait entendre, Dajjal fait paraître telle place, pas dire, moi, j'ai un coup, ma Dajjal là, était non. Sauver depuis sa place là, pas coucher même là-bas. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lui tente parler de l'apparition de Dajjal, qui lui éloigné de lui, c'est mal au Allah. Et Nadjimoun pouvine vers lui en pensant qu'il est désigné moumine. Et Nadjimoun lui dit, moi désigné à Iman, moi m'occupe un coup, moi c'est un coup. Mais il poursuit Dajjal pour quand tu te doutes qu'il Dajjal pour envoyer. C'est-à-dire Dajjal, sa capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de l'île, peut faire Nadjimoun mort, revivre, il pourrait être un djannat, un enfer de son armée. Alors, facilement, il pourrait être un Nadjimoun jusqu'à qu'il y ait Nadjimoun pour un Iman, je vous perds du Iman quand je vous trouve Dajjal. Et elle le premier en façon, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne nous, elle parmi ban zikr qui nous capable de demander pour nous repousser sur fitna. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Dajjal pour dire, moi, je suis Rab. Alors, il dit, c'est lui qui lui dit sa phrase, Dajjal, pas pour il n'a aucune autorité, l'oli, sa phrase, Lesta Rabbana, lakinna Rabbana, Allah, alayhi tawakkalna wa ilayhi anabna, na'oudhu billahi min sharrik. Tu pas nous Rab, mais nous Rab, c'est Allah, c'est l'oli qui nous est na tawakkul, c'est l'oli qui nous est na confiance, et veali qui nous pour repentir, veali qui nous pour demande pardon, nous cesse protection avec Allah contre le mauvais. Alors, Inch'Allah, ça, il pour repousse fitna de Dajjal. Alors, tout ça là, c'est une bonne façon qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner nous pour nous cesse protection contre Dajjal. Alors, demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous gagner un bon iman dans tout bon pilier de iman. Li éloigne nous depuis ma fausse conception et ma fausse interprétation qui m'a dit mon fin ajouté, il protège nous contre fitna de Dajjal et il pardonne de nous, il met de la jannah tout fil d'os. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et tout